Les propos tenus par l'inspecteur général des finances, chef de service devant les investisseurs américains, continuent d'alimenter l'actualité. L'Alliance nationale des chefs des autorités traditionnelles du Congo exhorte la population du Nord Kivu à la solidarité et au patriotisme. Ces chefs coutumiers recommandent aux hommes politiques à éviter de manipuler la population sur les propos tenus par le responsable de l'IGF sur la guerre. Pour eux, l'heure est à l'unité du pays pour faire face à l'insécurité. Mwami Kaombo 4 David est le rapporteur de l'ANATC. Pour ce qui concerne deux points d'actualité, notamment le dialogue de Nairobi, les chefs coutumiers ne se sont jamais rendus à ces assises, contrairement aux images qui circulent dans les réseaux sociaux. Néanmoins, ils soutiennent fermement la démarche pour que nous puissions recouvrer la paix dans nos milieux respectifs. Nous demandons aux membres des groupes armés qui ne se sont pas encore présentés de rejoindre les dialogues et exigeons qu'avant la signature des accords, que l'autorité puisse nous impliquer avec la société civile. S'agissant de la communication du chef de service de l'IGF, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, l'ANATC en cycle, comité provincial du Nord Kivu, a suivi avec une attention particulière les différentes réactions de certains compatriotes à la suite de l'intervention du chef de service de l'inspection générale des finances à la conférence sur les investissements en République démocratique du Congo tenue aux États-Unis. À la suite de cette intervention et des réactions qui s'en sont suivies, le responsable de l'IGF a estimé indispensable de clarifier ses propos et a présenté ses vifs regrets aux compatriotes qui ont, de façon malencontreuse, interprété les dits propos. Au nom de la cohésion nationale, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC ainsi que de la province du Nord Kivu, en sa qualité de gardienne des terres et des valeurs ancestrales, invite toutes les couches de la population de se désintéresser des discours pouvant semer l'animosité entre le peuple congolais. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC en cycle, de la province du Nord Kivu, exhorte l'ensemble de la population du pays en général et celle de la province du Nord Kivu en particulier d'être soudée et solidaire. L'idéal serait que la population puisse se ranger derrière nos forces armées de la République pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Ce n'est qu'à ce prix que l'insécurité sera éradiquée et que tous nous allons nous engager vers la voie du développement intégral de notre chère patrie.